Hello, everybody. Today we are very happy and to show you something very important about Casal. Like you know, there is a bad tragedy who has passed in Casal in 1969. It's for that we're gonna show you, gonna tell you the good information about this tragedy. Like you can see, we have a good boy with us. Is the this mister? He is the man of Casal. He knows a lot of things about Casal. It's for that we're gonna ask him some questions. Bonjour, père. Comment vous êtes? Bonjour. Très bien, grâce à Dieu. Comment vous allez? Je suis Théophile Benoît. His name is Théophile Benoît, the man of Casal, like I've said soon. Hey, we're gonna ask him the first questions. Since your family lives in Casal, depuis qu'il est famille moi vivre Casal. Bon, Casal, je suis né à Casal. Toute ma famille, Casal. Yep, he said he's born in. Yeah, he said he's born in Casal. All of his family was born in Casal. How did you identify with your ancestors about Polish descent? Comment identifiez-vous avec les descendants polonais qui sont à Casal? Bon, papa m'a toujours parlé moi de grand-père non, donc il était Douya. Et il dit nous que Douya ça c'est un polonais que le dit. He said his father has habit to talk him about the Polish people because his grandfather was Douya. Douya was a Polish people. It's for that his father has habit to tell him he was a Polish man. How large your family was before the tragedy on March 27, 1989? Bon, après, avant ça que j'ai passé Casal, bon, on était gagné 7 frères et 3 sœurs. He said before the tragedy, his family was very big because he has 7 brothers and 3 sisters, and his mom and his father. What do you remember from this tragic day? Qui s'en songeait du jour tragique ça qui était passé dans Casal? Bon. Jou tragique ça, bon, te gen yon. Bon, avant ça, c'est pas comme ça, bah, yon te vin rive. Mais te gon problème qui te existé entre Casal et Cabaret. Donc, c'est problème ça qui te vin passé et qui te mené jusqu'à ce que jou 27 mars, te vin gen, là, de gros descendelier ça qui te vin fait dans Casal. Et par exemple, un bon matin comme ça, et puis moi j'ai gagné des cousins que j'ai gagné, mais mon saïo puis faut fin mourir, moi quoi là-dedans, son seule fille qui était là-dedans après ça toute mourir, mais j'étais gagné un problème avec Cabaret, surtout principalement avec un policéral qui était gagné. Avec qui ils ont proposé de contribution, donc par façon que tu as agi avec la population. Hein. Et capable comme exemple, leurs habitants ont besoin de travail, donc ils ont gonflé de l'eau pour sembler paille, gonflé de l'eau, donc pour aller aux petits jardins. Bon, l'heure finie, donc non seulement l'heure finie gonflé de l'eau, c'est qu'ils ont fait toutes les affaires. Et après ça, pour de l'eau qu'il n'y a pas osé avec là, ils font payer pour de l'eau qu'il n'y a pas osé. Non seulement ils font payer, mais ils ont le droit un seul jour, une jour, une nuit pour être arrosé. Après ça, si ils ont un droit, ils ont arrêté, ils ont mis en prison, ils ont fait payer amende. Donc, tout le genre de monde doit protester contre. Jean, de façon ça vous a agi avec la population Casal, ça va faire plaisir. Donc c'est une raison qui est venue provoquer que le jour 27 mars, nous est venu faire descendre l'île à Casal. This Mister said, first of all, there was a problem between Casal and Cabaret.
that was the big problem who has caused the big tragedy in Kazal, because there was a policeman in Kazal, but he was born in Kabare, and a man was there to take money in the hands of Kazanian people. He has took a lot of money, but for that the Kazanian people wasn't accept that. It's for that there was a big problem between us, who has caused the big tragic day in Kazal. One day, the police of Kabare and the office of Duvalier come Kazal. They started to shoot on the people. They started to kill of them. They put the fire on the zone. There was very, very bad day in Kazal at this time. How you change your life after this tragic day? Après, au fin perdu famille ou maman et papa ou maman frère dans quand tu dis ça, comment ou même ou établir la vie, comment ou changer la vie ou même? Bon, pour moi, après que je te fin battre moi, maltraiter moi, bon moi coup de bâton, je te prends tête moi avec coup de bâton, je prends moi, je marre moi, je respecte, là je te marre, mais moi comme ça. Je prends le code là, je me marie demain, bien sûr comme ça. Et puis là, je finis de passer le code là dans le même temps pour qu'il va plus bien serrer. Donc, pour moi, c'est le plus gros supplice que je suis capable de passer dans le moment ça. À l'époque, pas de machine ici. Pour te prendre, pour t'absorber ici, marrer, craser à coup de bâton, tête au fond, ou perdre du sang. Donc, pour après aller descendre, pour aller cabaret sous deux pieds. Moment ça, c'est un supplice que l'été. Et le moment même, je suis arrivé dans la caserne cabaret. Donc, là, il a posé une question, m'a parlé, et puis il a regardé, ouais, c'est tombé, je suis tombé. Là, il a couru, dit, la récolte là. Pour la récolte là, il n'y a pas qu'à la gueule. Donc, là, ça, c'était, il y a un monde. Parmi eux qui ont un canif dans la poche, et puis ils ont pris le canif là, ils ont coupé le code là. C'est ça qui fait que moi, je suis déjà mort, je suis déjà mort. Et le premier monde que j'ai été tué, c'est vraiment, j'ai été tué, mais papa, je suis figé devant moi. Ils ont arrêté ma maman. Yo prani, yo voye le descendre ensemble avec moi. Yo baye maman coup de fusil dans l'estomac, dans le dos, yo maltraite li, et après yo prenons descendre. Maman m'a allé dans la prison, même j'avais moi, j'étais metté dans la prison. Yep. He said he has passed a bad moment during this day because the police has took him and his head like this. They took him and lead him at Kabare. When he arrived, he was very tired. He felt he gonna be dead because he was so tired. A man who was on the team has take him and let him come back to Kazal. They take also his mother. His mother has take a lot of slap in his head and his body. It's for that she was dead. And the first person who was killed on this day, that was his brother. His brother was next to him, and the police had taken a gun and killed him. What, in your opinion, caused the murder in Kazal? D'après vous-même, d'après opinion, qui ça qui t'a causé bagaille dans Kazal? Bon, c'est comme des soldats de tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a un cabaret et Kazal. Que je pas de dire d'accord et cabaret pas voulu Kazal évoluer, je pas voulu Kazal avancer. He said the first problem and the big problem is because there was a problem between Kabare and Kazal. Kabare wasn't want Kazal evoluate because there is a river in Kazal, the water slide until Kabare. When the river go at Kabare, the Kabare people take this water to
to make the garden, to make a lot of things. It's for that they wasn't the Catalan people take this water to make garden too, and for that they have a lot of problem between us, and then they has killed a lot of people and Casal for that. Who physically executed the murder of 23 Casal residents? Qui corps spécial qui t'a tué mon Casal? Est-ce que c'était police? Est-ce que c'était Makoud? Jean Odila? Qui corps spécial qui t'a tué mon Casal? Bon, jour 27 mars, mon Casal a été débarqué Casal. Premièrement, c'est bien ça qui t'est arrivé. Nous avons, par exemple, nous avons Jérémy Eliezer, Nifo Victor Mé, Thomas Victor Mé, avec elles sont innommées, Alix Lamotte, nous avons toute l'équipe M. Sayo. Donc, après avoir que Nifo Victor Mé, nous avons arrêté Frélie, on Frélie est là avec lui, nous avons arrêté Youn Cabaret, qui était le cabaret, nous avons arrêté là avec lui. Donc pendant ce temps, mon amour Massa, tout le monde s'est été caché, il était libre. Tout parce que était derrière eux pour arrêter eux, il était marron. Donc un jour ça a été une arrestation ça, et ben tout le monde ça, il était sorti. Il était sorti dehors. Et c'est juste ça que il était venu te grand bureau milicien tout près là, aller là. Donc il est rentré dans bureau milicien, ça va être un drapeau qui était monté. Duvalier, drapeau noir et rouge, donc il prend un drapeau ça, il découpe lui et puis il prend un morceau de toile bleue, donc il colle lui avec un morceau rouge et puis ici il dit désormais, mais drapeau noir c'est pas noir et rouge, c'est bleu et rouge lié. Et aussitôt que monsieur Ophine fait ça, et puis il prend, il a le caché. Je prends un guerrier pour y aller. Et pendant ce temps, il y a un bureau milicien ça, qui était fait ça. Donc, je voyais le cabaret. Je voyais le cabaret, l'arrivée du cabaret. Le cabaret, il téléphonait à Kaye. À Kaye, téléphonait à Kazelle de Saline. Donc, même moment ça, donc Kazelle de Saline débarquait dans Kazelle. Cabaret, à Kaye. Même Saint-Marc, Gonaïve, Sodo, dans toute zone, ça a envahi un Casal. Et même moment, ça là, bon, tout Casal n'était sous tension. The man said they physically executed was killed the people of Casal is the police and the man who was in the office of the Saline. Because in Casal there was an office and a zone. Every day they put the flag, the Asian flag was the black and red, they put that up. One day the Catalan people like Jeremy and Nifo Victor Mé, they took the flag and they take the part the black color and they put that in garbage and make another color was the blue and red. In this case, they said in Casal we have not the flag red and black. Now we have the flag red and blue. And this day, there was some communists also in Casal. They called to cabaret to let they know that. Then after they called to Akaya, they called to a Gonaïve and all of Zan and the country, they called to cousin of Desali was a big the biggest office in the country. And this day, the man was in the office of Desali, come in Casal, and then they started to kill, they started to shoot and the people. What were the residents of Casal afraid after this tragedy? Qui ça et mon qui t'a vu Casal au type après que tu as dit ça? Bon. Après que j'ai fait tout massacre, quand j'ai tué tout le monde, et tué tout le monde, comme je l'ai dit, le premier monde que j'ai tué, c'est Frère Mère qui a tué. Et après, je suis capable de dire que Vincent vient nous faire dans le Casal pour tuer le monde. Donc, ça qui était triste en pile, c'est que j'ai une dame qui a Olive et Marie qui a Benoît Philantus. Donc, j'ai pris tout le monde,
Ils ont été tués, ils ont été lagués dans le sel. Tout. Et madame Benoît Pilantis, qui était au livre, il y a un, donc ils ont été pris, ils ont lagué dans le toit, après ils n'ont pas mouru, ils ont pris, ils ont lagué dans le toit, et puis ils ont pris, ils ont voulu être sur lui, enterré presque tout vivant. How many residents left Kazal? Et d'après vous même, qui va les gens qui ont quitté Kazal après et ça veut dire? Bon, là ça, on va être parti, non? On va être parti, on était sous résidence surveillée. Au contraire, on était passé au lodge chaque matin, c'est pas là qu'on était mis en avant-poste, côté et monument, on était mis en avant-poste là. Chaque matin, on est obligé à le rendre pour là et après-midi encore des mêmes aussi pour aller pour voir là toujours. Donc on va être capable de partir quitter le pays. The minister said the people of Kazal wouldn't be go out because there was a team of police who was there who controlled all of the people in the zone. Because every morning you have to go in the monument to answer present. And then every afternoon, you have to go in the morning, but also to answer present to say to the chief, I am here, I don't go out. That was very a bad, tragic day in Kazam. Do you think residents respect the memory of the murdered? Est-ce que vous pensez que les gens qui vivent Kazam respectent les gens qui sont morts? Pas besoin qu'elle est bonne, besoin qu'elle respecte ça, mais comme ça, qu'on sait des mondes tout qui pas qu'on important ça, parce qu'on est capable de dire que si Kazal arrive à un niveau qu'on doit arriver à là, c'est par rapport avec les mondes qui étaient morts. Donc à l'époque, on a gagné, par exemple, après que Duvalier était finalé, il était venu former un conseil de gouvernement, donc il était Henri Nafi comme président là-dedans. Donc, pour Henri Nafi, Vini Kazal, c'est à partir de Vini Sal de Vini Kazal, mais nous avons eu un petit monument qui était fait plus devant dans la rue, en face du monument. Donc, c'était Max Odenev qui était fait. Et pendant que Henri Nafi était Vini Kazal, donc l'arrivée devant le monument, regardez, et que tout le monde sait où est qu'il a qui mourut, donc nous avons été gravé ce monument. Donc bon, et Henri Nafi a commencé à faire quelques bagages dans Kazal, donc il a commencé un groupe pour Kazal, mais après il est venu à courir derrière lui, bon, il va de temps continuer à faire rien encore. Mais par exemple, vous avez une école nationale là, vous avez un dispensaire qui a commencé, vous avez agrandi, vous avez amélioré, mais vous avez là. Et par exemple, vous avez un tribunal là, qui vient là. Donc c'est à partir de là de venir en Rinafi. Donc tout le monde a été venu commencer à faire dans Kazal. The minister said some of people respect the memory of the person, but some of them also don't respect that. And they say because the people who has respect the memory of the person who was killed by Duvalier has made a small monument. There was a president after Duvalier, his name was Henri Nafi. When he came in Kazal, he has made a big monument. And this monument, you can see the name of all of people who was killed by Duvalier. And you can see the public school, the clinic, and the Office of Peace in Kazal is by Henri Nafi. They was built in Kazal, and the people who respect the memory of the person has spoken with Henri Nafi. In this case, he has made a lot of things for Kazal. Do you think that young people want to remember about the tragic events of 1969? Est-ce que vous pensez jeune Kounia ou Tadoué penser ou bien t'as de songer et tragique des mauvais jours ça qui t'est passé dans Kazal? Bon, principalement, le monde qui pensait avec des cas de jours tragiques qui t'est passé dans Kazal là. Non, c'est plus famille, parce qu'on a des gens qui perdent maman, qui perdent papa. Donc, je suis capable de dire qu'il était en souvenir dans la mémoire. Parce qu'à chaque fois, le 27 mars,
ou bien à un moment ça. Mais parfois, à l'époque, l'heure est venue, après nous voulons révéler les mémoires de Mounsa qui était mort. Donc ça a qu'on fait un pile qui criait. Parce qu'il n'était pas du proche. The minister said the person who are very think about the memory of the people is the person who has lost their family, because every 27 March they say that sometimes the people cried, sometimes they feel bad because they has lost their closest friend, their closest family. That was a bad day. How many Kazal residents identify with their Polish ancestor? Combien de monde dans Kazal pensez qu'ils reconnaissent que y a des descendants ou y a des descendants polonais? Combien de monde dans Kazal pensez qu'ils connaissent ça? Bon, il y a un pile là-dedans. Par exemple, il y a le pape Jean-Paul II. Donc, il est venu en Haïti. Il y a une délégation qui était sortie à Kazal. Donc, qui était rencontré pape là, dans l'aéroport. Il était invité. Donc, tout est descendu. Il est allé dans le moment ça. Mais il y a un pile là-dedans. Il y a un pile qui est mort. Donc, il y a parlé encore, par exemple, il y a Brinville du Laurier. C'est une qui était rencontré pape là. Ou bien tu as du laine, tout près de nous, qui était dans la zone là, qui était allé rencontrer papa, ou tu as madame Dalzon, Emile. Donc, bon, ça, c'est le monde qui a rencontré papa. Et tu as un fils de Abrino, au fil de Ballantino, il est un petit homme. C'est le monde qui a rencontré papa, là, il est venu en Haïti. The minister say the people knows that because when he say the color and that they hear the hearts of the Kazan people, they know they are the ancestors Polish. And when the Pope John Paul II came 80, there was a team of Kazal who went at Port-au-Prince to receive the Pope. It's for that they know a lot of things about the ancestors Polish. Are there any moments in which they manifest that they have a Polish roots? Est-ce que polonais, est-ce qu'il y a un pile polonais qui vient visiter Kazal? Bon, au contraire, un pile polonais, tout le temps, presque chaque année, il y a un polonais qui a visité Kazal. Bon, après, par exemple, il y a dernièrement là, il y a une délégation et mon Kazal, donc. C'est monde qui fait partie de Vaudou. Donc, ils ont été invités, qui étaient allés en Pologne. Donc, ils ont passé quelques jours en Pologne. Donc, bon, je ne suis pas capable de dire Polonais. Donc, c'est une série de monde que Kazal doit gagner reconnaissance. Donc, si Kazal a quelques bagailles, non pas qui fait dans Kazal, ce n'est pas faute. Donc, c'est les dirigeants qui causent. Qui fait un pile bagaille, nous perdons, nous pas joindre et nous comptons ça très bien. Donc, c'est une raison qui fait, nous avons demandé, lorsque la Pologne a décidé de faire un bagaille pour Kazal, que le passe directement, donc pas passer indirectement. Le minister a dit que les Polish, sometimes the Polish people came to Kazal. He know if Kazal is in this bad way, it's because the leader has broke down the program Polish people for Kazal. It's for that he would like, if the Polish people would like make something for Kazal, maybe may they pass directly for the younger Kazal, for the leader of Kazal. It's because if he wait the leader of 80, he could make nothing for Kazal. What are the biggest problem in Kazal? D'après moi, même qui pique au problème qui vient dans Kazal? Bon, puis gros problème nous gagne à Kazal, nous sommes capables de passer. Puis principalement, c'est le problème de route là que nous gagne à Kazal. Et l'autre problème nous gagne, donc c'est question de arrosage. Donc, par exemple, là, nous gagne une zone ça qui pas travail du tout. Donc, c'est habitants qui toujours fait petit travail dans la rivière pour essayer de capter de l'eau pour arroser les jardins. Mais à cause de cyclone qui a passé, donc bon, yo vin pas capable de travailler encore, rivière fin fouillé, donc yo même yo pas capable de travailler encore, ça vient cause
pour aller ici à Paris, de l'eau mettre dans la zone, zone sèche. Nous avons une route là que nous n'avons pas tout. Donc parfois, l'un a descendu le cabaret, moi personnellement, avant il y a moins descendu le cabaret. Mais l'homme venu sur le petit cabaret, je me suis dit, dernier jour, non, comme fait mal. Parce que trop choc dans la route là. Donc l'homme fait ça, l'autre n'est pas fait bien. You say the big problem, the biggest problem in Casal is the road, because when you go at cabaret, all of your body make you hurt you because the road is not good. There are a lot of stone in the road. The motorcycle fly over the stone. That is a bad experience. And he say the other problems also is the how to lead the water in the garden, because there are a lot of earth in Casal, but the Casalian people don't have possibility to lead the water in the garden. That is a big problem in Casal. Some people would expect help from the Polish government. Est-ce que Gemun Casal qui espère aide du gouvernement polonais à na Casal? Bon, de ce moment que nous tout est toujours demandé, nous on était pensé qu'un jour le gouvernement polonais bon, il était capable visiter nous, de capable nous. Mais nous pas ça fait. Mais l'autre problème nous gagne encore, vous connaissez mon zone reculée en dehors ça yo, y a pas gain route là-dedans yo, y a pas gain électricité là-dedans ni. Donc zone ça a mal pour développer. Parce que électricité, route. Donc c'est des bagages l'on zone gain là-dedans ni. Donc son zone qui envoie des développements qui a développé. Mais dès pour rester dans fait noir, il pas gain route là-dedans ni. Donc il loin développement. He said, yes, he wish one day the government of Polish can help Casal. He said also another problem is because the zone don't have electricity. But he said the electricity in the zone is a good thing, because when the people live in the darkness, they can't see there is a bad way to development of the zone. It's for that he asked if the government Polish can help Casal to find electricity, to have some to have help in the woods, that could be a good thing for Kansas. Do you want to say something to Poles living in Poland and in other countries? Est-ce que tu as même dit un bagage avec Polonais qui peut regarder dans Pologne avec dans tout le monde là? Bon, son bagage m'espérer, mais c'est que me semble que je dois pas prendre. Je ne sais pas si je suis en train de faire passer. Parce qu'il y a un gars qui est en train de dire qui message que je fait passer pour Casal. Bon, moi-même, le message que je me fais passer, c'est que je me fais dire, pas oublier, non, songer que nous là. Parce que nous n'avons pas de monde qui a pensé avec nous. Parce que nous avons une commune là, bon, commune là, c'est comme si nous pas existé dans la commune, nous pas connaître nous. Donc, bon, si nous avons. La Pologne qui a pensé avec nous, qui a voué Dieu sous nous, donc nous espérons un jour nous arriver pour un bagage dans la société. The minister said he wish one day the Polish think about Casal, one day they take a decision to help Casal, because Casal have a lot of problems, and he know the Polish people was living in Casal and they know Casal. And he wish God speak, or God speak, and they heard to think about Casal and to see how they can help Casal. Okay, Nabzou, merci, Père, pour belle interview, pour toute information, ça, au banou de Casal. Okay, d'accord, merci. Okay, the father, the minister said, thank you, all of you, looking for him. And he say a very big thank you with all of you. For Casal Television Polonais, Michel Altimé.